Le numéro 10, vous avez tourné la page, Fée de Touzaine, présenté par la SOCA Janda, une fille de Legolas. Legolas, un grand cheval élancé auquel sa fille ressemble beaucoup, et Reine de Touzaine par Vidéo Rock. C'est la nièce de Milou des Anciens, deuxième du prix de l'avenir, et grand vainqueur en obstacle, Milou des Anciens, placé notamment du Grand Prix de Pau. Poule de Touzaine aussi, Ulysse de Touzaine, enfin que des chevaux qu'on aime beaucoup. Quant à la mère, elle a elle-même gagné en obstacle à deux reprises. C'est une fille de Vidéo Rock, une vraie souche solide ici, avec la paternité de Legolas. Sur le ring des mâles, nous avons Georges Richardot qui nous présente le... Le 30. Le numéro 30, joli poulain qui Forban de Côte. Il est issu de l'Or du Sud, dont elle a hérité la robe grise. Alors là, on retrouve la belle et grande souche de la souche Richardot, celle des Côtes. Puisque Vainé de Côte, qui est une fille de Freedom Cry, alors vous n'en souvenez pas vraiment de Freedom Cry, il a été deuxième de l'Arc de Triomphe de l'Amtara, Freedom Cry, on peut marcher. Et il a été un père avec des hauts et des bas, mais qui a donné Califet. Et oui, Freedom Cry est le père de Califet, qu'on dans l'Ouest, Freedom Cry, les gens, les pépés à casquette, appelaient Freedom Cry.